selon mes parents, j'ai appris à marcher en ramassant des cailloux bizarres, à peu près. Donc, j'ai eu le virus très très tôt. En plus, j'ai fait partie donc, de la génération Jurassic Park. Hein. Il y avait déjà les cassettes à l'époque d'Indiana Jones. Voilà, à un moment, j'ai dit, je veux faire comme le monsieur avec le chapeau. En fait, quand on fait ce genre d'activité, on reproduit en quelque sorte les gestes des préhistoriques. Et en faisant ça, on se met un peu dans leur tête. D'un point de vue technique, au moins, on a forcément les mêmes difficultés, les mêmes réussites, et probablement des états émotionnels qui sont assez proches. Quand on avait un truc qui était un petit peu difficile à faire et qu'on arrive à le faire, ben on est content. Et inversement, quand on a quasiment tout fait, qu'on est au bord de l'objet fini et que d'un coup, hop, la roche casse, bah là, petit mécontentement. Et ils devaient ressentir exactement la même chose que nous, hein. J'ai une petite affection particulière pour Néandertal. Alors, ça fait un grand classique quand même dans notre communauté. Mais c'est vrai que Néandertal, c'est aussi pour moi l'exemple typique de comment la science avance, les connaissances progressent, puisque on est passé d'une image d'homme singe à peine debout, très poilu et qui va tabasser tout ce qui bouge à coups de massue, à un humain à part entière, différent de nous, bien sûr, mais un humain. Ça, c'est un très très ancien, un des premiers que j'ai fait, qui est en calcaire, pas du tout en silex. Et que j'avais complètement improvisé, donc j'ai fait ça au plus simple, c'est-à-dire j'avais un galet et un galet, voilà, c'est tout. Et j'ai taillé un biface comme ça, improvisé, je sais plus, mais pas longtemps. Et depuis, je le garde parce que ce qui me plaît, c'est justement de montrer la diversité qu'il y a dans les roches, c'est exactement ce que je viens de dire, hein. Selon le but qu'on a, selon les matières qu'on a sous la main, selon le talent qu'on a, etc., bah on va pas du tout avoir la même chose. Et pourtant, c'est bien sûr deux fois le même outil. On est dans du biface, mais il n'est pas dans la même matière. Il faut vraiment réfléchir. En fait, il faut voir la pièce dans le bloc. Si on n'arrive pas à avoir cette vision-là, il y a peu de chances qu'on puisse y arriver. Et donc là, mon idée, c'était de prendre. C'était lequel j'ai choisi? De prendre un petit éclat et d'essayer de faire une pointe de flèche avec justement, alors sans prétention, je ne suis pas un grand tailleur de pierre. Moi je fais ça, je suis un tailleur à la petite semaine, hein. Je fais ça à mon temps perdu surtout. Donc voilà, c'est déjà un peu plus symétrique.